Bonjour Dominique, alors vous êtes le président de la Banque alimentaire de Touraine. J'aurais voulu savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ici. On est place du Château-Neuf. Je vois qu'il y a plein de tentes. C'est quoi alors? C'est la fête de la Saint-Martin? Exactement, donc ce week-end c'est la fête de la Saint-Martin sur le 8, 9, 10 et 11 novembre. Et donc la Banque alimentaire pour la première fois est associée par la ville de Tours à cet événement. Saint-Martin, c'est le symbole de la solidarité, du partage, parce que c'est lui qui a partagé son manteau pour les pauvres. Et donc, ça correspond tout à fait aux valeurs représentées par la Banque alimentaire. Alors là, je vois les bénévoles derrière qui sont en train de préparer des légumes. Ils vont préparer des soupes, c'est ça? Tout à fait. Donc, ce soir, on est associé avec Bernard Charret, donc Bergeron Bio. Et tous les bénévoles de la Banque alimentaire lui donnent un coup de main pour préparer des soupes. Et les recettes de la vente des soupes seront reversées intégralement à la Banque alimentaire. Ben on souhaite du coup que ça marche bien et qu'il y ait plein de bénéfices. Il y a déjà le soleil. Hein, c'est quand même exceptionnel depuis ces derniers jours. C'est vrai qu'on a de la chance. De la Saint-Martin. Avec un très beau, très joli cadre derrière nous et de l'autre côté aussi. Ben merci beaucoup. Merci.